dit, il faut résister. J'ai dit oui presque sans y penser. C'est comme ça que dans un train de la gare du Nord, j'ai eu ma place à l'œil et sans aucun effort. Quand le train enfin s'est arrêté, on ne m'a pas demandé mon billet. Mais malgré le plaisir de la nouveauté, j'aurais bien voulu m'en aller. Et que je ne fume pas l'air que ces bagnards chantent dans la rue. C'est sur cette aventure que tu m'es apparu. La nuit tombait déjà, étouffant tes pas sur le sol glacé. Chiens et gardiens aboyés. Ensuite nos gardiens, ils avaient des cravaches à la main. Malgré la différence de vocabulaire, je compris ce qu'ils voulaient faire. Dans un grand glacé, on t'a déshabillé et numéroté. Puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater. La défaillante de froid et louchant des fois mêlée dans ses rires. Pourtant tu n'as pas pleuré. On m'a pris d'abord mes bijoux, ma valise et mon sac en cuir roux, mes petites provisions, mon bout de saucisson, ma belle chemise et puis tous mes pantalons. Je croyais qu'on avait tout pris. J'espérais que c'était bien fini. Comme un bébé naissant, j'étais toute nue. C'est alors qu'ils m'ont tondu. On a pris des cheveux, serré des moyeux, mais ça ne suffit pas. Tu travailleras pour eux, tu ne mangeras pas. Quand tu succomberas, on t'achèvera, on te brûlera, et ta graisse leur servira. Maintenant nous prenons le relais à tous ces engagements.